Comment avoir un bon dialogue avec son ex? Alors, souvent, la communication avec votre ex n'est pas chose aisée. À votre décharge, il est vrai que bien souvent, votre ex vous met des barrières à la communication. Ça s'explique notamment parce que bien souvent, vous faites les interdits de la reconquête amoureuse ou que votre ex veut être clair sur la relation qui s'établit entre vous, c'est-à-dire que vous êtes dans le cadre d'une séparation. Bien souvent, comme vous êtes dans le déni de la rupture amoureuse, eh bien, votre ex met des barrières à une communication puisque votre ex ne veut pas vous donner de faux espoirs. Votre ex veut vous faire comprendre et accepter qu'il s'agit bien d'une séparation, qu'il s'agit bien d'une rupture amoureuse. Donc, c'est bien souvent pour ça que la communication n'est pas aisée. Mais alors, comment avoir un bon dialogue avec son ex? La première clé que j'aimerais vous donner, elle me paraît évidente, mais c'est être bien avec soi, être bien dans ses baskets. Lorsqu'on veut avoir un bon dialogue avec une personne, faut-il déjà être heureux soi-même? Parce que si vous ne l'êtes pas, ce que vous allez montrer ou ce qui va transparaître de votre communication avec votre ex, c'est que vous êtes en demande, c'est que vous êtes triste, que vous êtes en déprime. Bref, une personne avec qui finalement on n'a pas envie de communiquer. Également, il va falloir être détaché parce que bien souvent, vous êtes crispé, vous êtes en suranalyse par rapport à votre ex. Et vous êtes tellement crispé que dès que ça ne va pas, vous dégoupillez, vous faites l'ascenseur émotionnel, vous passez de la colère à des excuses, à des coucou ça va, à on peut avoir une seconde chance. Bref, c'est un dialogue qui part dans tous les sens, quoi, étant donné que vous n'êtes pas détaché de la situation. Également, attention, et je vous le dis souvent, aux erreurs d'interprétation. La problématique des SMS, c'est qu'ils peuvent être simples, mais comme vous êtes un peu en suranalyse, vous allez avoir tendance à justement vouloir tout interpréter. Et bien souvent, je le vois en coaching, vous interprétez de façon erronée, vous interprétez mal. Donc attention aux erreurs d'analyse dans l'interprétation des SMS de votre ex. La deuxième clé pour avoir un bon dialogue avec son ex, c'est également ne pas écrire à votre ex quand, entre guillemets, vous vous faites chier. Parce que là, vous allez être crispé en attente d'une réponse. Vous allez regarder votre téléphone portable toutes les 2 minutes pour voir si vous êtes bien en sonnerie, s'il n'y a pas eu un problème de connexion, si vous captez bien. Bref, vous allez être en attente, vous allez être crispé, vous allez être tendu et ça, ce n'est pas une bonne façon de communiquer. Non, il ne faut pas communiquer lorsque vous êtes soit en mode triste, soit en mode « je me fais chier dans ma vie ». Il faut que vous communiquiez, entre guillemets, comme vous faites avec vos amis. Parce que justement là, vous aurez la bonne distance communicationnelle. Vous pourrez avoir enclenché un bon dialogue avec votre ex. Et si votre ex vous répond 4 heures après, ce n'est pas trop grave, puisque vous faites votre vie, vous continuez votre vie. Et donc, vous n'êtes pas en attente d'une réponse de votre ex. Également, la troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est arrêter d'évoquer des sujets qui sont épineux. Et là, je pense à vos sentiments, je pense à la séparation, à vos comment, vos pourquoi, et est-ce qu'on peut se remettre ensemble, et j'ai changé. Toute cette verbalisation, alors je comprends que vous avez besoin de verbaliser, mais toute cette verbalisation vous amène dans le mur parce que vous êtes oppressant, vous êtes vecteur de stress. Imaginez qu'une personne vous demande « mais pourquoi tu ne veux pas me voir ?» et « comment ça se fait ?» Mais t'es sûr? Est-ce que vous aurez envie de voir cette personne? Est-ce que vous aurez envie de dialoguer avec cette personne? Alors si vous êtes sympa et un peu bienveillant et un peu patient, au début, vous allez répondre par politesse et au bout d'un moment, vous allez mettre un stop. Vous allez dire « bon, ça commence à suffire, tu commences à me les gonfler » entre guillemets. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon dialogue avec votre ex parce que votre communication est très mauvaise. Vous êtes oppressant, vecteur de stress et ça, vous avez du mal à le comprendre. Et la quatrième clé que j'aimerais vous donner pour avoir un bon dialogue avec son ex, c'est posez-vous les questions « comment vous communiquez avec vos amis ?» Est-ce qu'avec vos amis, vous envoyez des « coucou, ça va ?» Est-ce qu'avec vos amis, vous parlez de sujets qui sont problématiques et vous revenez sans cesse dessus? Est-ce qu'avec vos amis, quand ils ne vous ont pas répondu dans les 2 heures, vous lui dites ben, « pourquoi tu ne me réponds pas, tu me fais la tête, etc. » Est-ce qu'avec vos amis, vous relisez 15 fois vos SMS avant de les envoyer? Est-ce que vous relisez la communication que vous avez eue avec votre ami? Non.
Est-ce qu'avec vos amis, vous mettez la pression? Est-ce qu'avec vos amis, vous êtes oppressant? Est-ce qu'avec vos amis, vous écrivez des pavés? Tout cela, vous le savez, la réponse, c'est non. Alors, pourquoi vous le faites avec votre ex? Si avec vos amis, vous avez un bon dialogue, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous êtes cool, que vous êtes fun, que vous êtes détaché. Bref, que vous êtes pétillant, rayonnant et attirant. Et donc, c'est que ça qu'il faut faire avec votre ex. Et là, généralement, vous faites tout l'inverse. Vous êtes, entre guillemets, le casse-pied de service. Et donc, votre ex, forcément, ne va pas vouloir enclencher un bon dialogue avec vous. Également, je vous l'ai dit en introduction, bien souvent, votre ex va vous mettre des barrières. C'est la linéarité de la bonne communication qui va faire que votre ex va se débrider, que votre ex va lever les barrières. Parce que bien souvent, on me dit, j'ai envoyé 2 bons SMS, mon ex ne me répond pas. Mais parfois, vous avez fait tellement d'interdits qu'il va falloir du temps pour être crédible. Ce n'est pas parce que vous avez eu une illumination dans la soirée que votre ex va se dire « Génial, mon ex a changé, mon ex n'est plus oppressant ». Et plus vous avez cassé les pieds à votre ex, et plus pour avoir un bon dialogue avec votre ex, il va falloir du temps. C'est pour ça que plus vous faites d'interdits, plus vous rallongez ou vous éloignez votre reconquête amoureuse. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous pour mettre ça en place. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Mettez le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.